وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Al-Fudayl ibn Iyad, rahimahullah, a expliqué, c'est lui qui a créé la mort et la vie pour vous tester et vous éprouver, voir lequel d'entre vous est le meilleur en acte. Il a dit, celui qui est le plus juste et le plus pur, le plus sincère. On lui a dit, oh Abu Ali, c'est quoi le plus juste et le plus sincère? Il a dit, les actes, quand il est sincère et qu'il n'est pas juste, il n'est pas accepté. Et quand il est fait justement d'une manière apparente, mais qui n'est pas sincère, il n'est pas accepté. Jusqu'à ce que l'acte réunisse ces deux conditions, la sincérité et d'être sur la bonne voie. Puis il a dit, Akhlasul amali, et l'acte qui est sincère, c'est ce qui est fait pour Allah. Et l'acte qui est juste, c'est celui qui est fait en concordance à la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam.